Salut l'équipe, c'est Gissane et aujourd'hui on se retrouve pour le premier JTech. Je vous ai mis un petit sondage sur la chaîne pour vous laisser choisir la vidéo que vous vouliez voir. Et le JTech est arrivé loin devant les autres dès les premières heures, donc j'ai pas attendu plus que ça pour vous faire cette vidéo. Je sais pas encore à quoi va ressembler ce nouveau format à la langue, mais en gros le principe est le même que pour les gifs perso, sauf qu'au lieu de dédier une vidéo exclusivement à un personnage, ce sera sur une technique dans l'œuvre et sur le jeu. Et bien évidemment, pour ce premier épisode, je suis obligé de commencer par le Kamehameha, la technique la plus emblématique de Dragon Ball. Il y a plusieurs mois, je vous avais déjà proposé deux tops sur le Kamehameha dans Xenoverse 2, un pour les spé et un pour les ultis. Donc au final, sur la chaîne, je vous ai déjà à peu près tout dit sur cette technique, mais je vais essayer de faire un petit condensé de tout ça avec quelques petits ajouts. Donc je sais pas vraiment combien de temps va durer cette vidéo, donc installe-toi confortablement et prépare les chips et la Red Bull si tu vois que sur la barre YouTube, la vidéo dure plus de 20 minutes. Mais bon, j'ai un très gros doute sur ça. Donc voilà, bref, débutons. Alors le Kamehameha de base, c'est quoi? C'est la première technique Kikikwa qu'on a pu voir dans Dragon Ball. C'est d'ailleurs Kame Sennin, son inventeur, qui nous la présente pour la première fois à la fin du 14e chapitre de Dragon Ball. Et le 8e épisode de Dragon Ball pour la série animée. Mais dès le début du chapitre suivant, Goku envoie aussi son premier Kamehameha. Dans l'histoire, c'est quelques minutes après Kame Sennin, il a suffi à Goku de regarder seulement une seule fois Muten Roshi exécuter cette technique pour la reproduire, alors que Kame Sennin s'était entraîné pendant 50 ans pour la maîtriser. Et c'est comme ça qu'a débuté cette magnifique relation entre Goku et Kame Sennin par un bon vieux Kamehameha. Par la suite, beaucoup de personnages ont utilisé cette technique et on a eu droit à d'innombrables Kamehameha dans l'œuvre, mais si je devrais en retenir seulement trois, je dirais le premier super Kamehameha de Goku, c'était contre Piccolo lors de la finale du 23e Tenkaichi Budokai dans Dragon Ball. Voilà, j'avais adoré ce Kamehameha. Enfin, si je devais en retenir qu'un seul pour Dragon Ball, je dirais ça. On va parler en termes d'animé, hein. Pour Dragon Ball, je dirais celui-là, le premier super Kamehameha de Goku. Il était juste énorme. Pour Dragon Ball Z, sans aucune surprise, le Kamehameha père-fils de Gohan sur Cell qui a clairement marqué mon enfance. À ce moment-là, j'avais adoré. Je sais plus quel âge j'avais, mais je sais que j'avais. Ouf, c'était juste magnifique. Puis vous connaissez mon affect pour le personnage, et puis voilà. Pour Dragon Ball Super, je dirais le Kamehameha contre Kefla, hein, que vous avez dans mon intro. Il n'y a pas énormément de moments qui m'ont vraiment plu dans DBS, et surtout dans le dernier arc de l'anime. Mais ce Kamehameha contre Kefla, c'était grandiose. C'était vraiment hyper bien fait. Il n'y a rien à dire. Après, c'est sûr, il y a d'autres Kamehameha hyper stylés, mais bon, je peux pas tous les énumérer, sinon on n'en finirait pas. Mais vous, faites-moi votre petit top 3 de vos Kamehameha préférés ou qui vous ont le plus marqué dans l'œuvre ou l'adaptation animée. D'ailleurs, petite parenthèse qui sert un petit peu à rien, mais en ce moment, je relis les tomes de Dragon Ball. Et bordel, à chaque fois qu'un Kamehameha se prépare, c'est tellement fou les sensations que ça procure au lecteur. Toriyama maîtrise complètement sa technique à travers ses dessins oufissimes. Malgré le nombre incalculable de Kamehameha qu'il y a dans cette œuvre, il arrive à faire de chaque Kamehameha un moment unique, et ça, c'est vraiment fort. D'ailleurs, en parlant de Toriyama, je sais plus où j'avais vu ça, mais il paraîtrait que Toriyama ne savait pas quel nom donner à cette technique, et on raconte qu'il cherchait un nom avec le mot Kame, qui signifie tortue, mais qu'il ne trouvait pas d'idée intéressante et que c'est sa femme qui lui aurait donné le nom Kamehameha en référence au premier roi hawaïen. Je sais pas si cette histoire est vraie, mais en tout cas, c'est celle que j'ai le plus entendue. Après, j'ai une idée mais qui ne tient qu'à moi, mais peut-être que l'île de Kame Sennin est aussi une référence aux îles d'Hawaï. Enfin, je pense que je pousse un petit peu le truc un petit peu trop loin, mais ça pourrait vraiment être possible, hein. Et puis, pour résumer, dans Dragon Ball, dans l'œuvre, c'est Kame Sennin qui l'a inventée. Ensuite, il l'a transmise involontairement à Goku. Ensuite, il a entraîné Goku et Goku l'a perfectionné et l'a poussé à un point que même son inventeur n'aurait pu imaginer grâce à sa puissance naturelle, sa réserve et sa maîtrise du ki. Même si Gohan lui aussi a poussé cette technique à son plus haut level à un moment. D'ailleurs, ça me fait un petit peu penser au Rasengan dans l'univers Naruto avec Minato, Jiraiya, Naruto, etc. Mais ça, on en parlera sûrement dans un autre JTech. Pour le moment, on va plutôt se concentrer sur le Kamehameha, mais surtout les Kamehameha sur Xenoverse 2. Sur Xenoverse 2, on a plus d'une vingtaine de Kamehameha différents qu'on peut débloquer et équiper sur nos persos. Malheureusement, le meilleur Kamehameha du jeu n'est pas débloquable. Je parle bien évidemment du magnifique Kamehameha père-fils de Gohan qui est juste extraordinaire. Ça aurait été tellement bien qu'elle soit ajoutée sous forme de technique double pour nos persos et qu'on puisse l'utiliser seulement avec un Goku dans l'équipe. Ça aurait été une belle mécanique de gameplay à ajouter quand il y a eu, vous savez, l'ajout des techniques doubles. Genre, si tu débloques toutes les techniques doubles,
qui débloque la technique d'eau, le bonus Kamehameha Perfis. Un genre d'easter egg comme pour le potentiel libéré. Enfin voilà, ça c'est ce que j'aurais bien aimé, mais bon évidemment je pense que je fantasme un petit peu trop sur cette technique. Donc voilà, allez, passons à la suite. Si je devais vous conseiller deux Kamehameha en technique spéciale parmi toutes celles qu'on peut débloquer, je vous dirais le Kaioken Kamehameha qui est mon Kamehameha P préféré, qui s'envoie hyper vite et qui fait de très très bons dégâts, que vous pouvez obtenir très facilement dans la quête parallèle 14. D'ailleurs, 14e quête parallèle, comme le 14e chapitre du manga où l'on découvre pour la première fois le Kamehameha. Coïncidence? Je le crois pas, c'est clairement une coïncidence, on va pas se mentir. Le deuxième Kamehameha en spé que j'aime bien, c'est le Kamehameha x10, qui est le Kamehameha spé qui fait le plus de dégâts du jeu. Elle peut se charger, et donc on peut profiter de la téléportation avec les Saiyans si vous jouez des Saiyans. Sur le gameplay, c'est pas le cas. Et pour l'obtenir, on l'obtient tout simplement dans la leçon numéro 2 de Goku. Pour les ultis, j'en joue beaucoup, mais dernièrement, les deux ultis que je préfère sont le Kaioken Kamehameha x4, qui est juste beaucoup trop rapide à s'envoyer, hein. C'est sûrement d'ailleurs celui que j'ai le plus joué sur le jeu. Et le deuxième ulti, c'est le Kamehameha V2 à une main, qui rappelle un petit peu celui de Gohan SSJ2, et surtout elle fait des dégâts monstrueux. Et pour finir, elle s'obtient dans le dernier entraînement de Mirai Gohan. De toute façon, vous avez l'habitude de me voir jouer tous ces Kamehameha, puis voilà, je vous les ai déjà tous présentés en détail au travers de mes différentes builds ou top 5. Ensuite, on peut aussi parler des super âmes, parce qu'il y en a pas mal qui ont des effets sur les Kamehameha, mais je vais pas vous parler de toutes les super âmes, mais seulement de ces deux-là, qui sont hyper simples dans leurs utilisations. On a par exemple celle-ci de Goku SSJ3 qui boostera temporairement les attaques Ikoa en XL à chaque utilisation d'une spé Kamehameha. Puis on a aussi à peu près la même, elle a exactement les mêmes effets, sauf que celle-ci s'activera à l'utilisation d'une ulti Kamehameha et elle s'obtient dans la quête parallèle 112. Après on a celle de Beerus qui fait clairement le taf, mais là on se concentre surtout sur celle qui fonctionne avec les Kamehameha. Et comme je disais, voilà, il y en a beaucoup d'autres, mais voilà, ces deux-là sont les plus simples à utiliser. Du coup, voilà pour cette petite vidéo dédiée au Kamehameha dans cette magnifique œuvre qu'est Dragon Ball, ainsi que dans le jeu, voilà, ce jeu qui nous réunit tous sur cette chaîne. J'espère que ce premier JTech vous aura plu. Si c'est pas le cas, je vous propose cette super arme de Tenshinhan qui te permettra, voilà, de contrer ma vidéo. Et si t'as kiffé, n'hésite pas à me le faire savoir. Et moi, j'essaierai de vous proposer un autre épisode rapidement sur une autre technique qui a marqué nos esprits dans l'œuvre ou dans le jeu. Maintenant, je vous laisse et je vous dis donc à la prochaine. Prenez soin de vous. Ciao.